Allez, bonsoir, bonsoir mes loulous, c'est tonton Tommy qu'on reprend notre partie sur Skyrim en VR. Et donc on va aller. Je vais vous le montrer. Hop là. On va visiter l'académie de Fort d'hiver qui est ici. Et nous, on est tout là-bas. On n'a rien découvert encore pour l'instant. Donc ça va être l'expédition. Je suis où moi du coup? Déterminer la destination. Ben oui. Ah, je suis là. Tout va bien. Donc on va passer là. On va placer un petit repère. Voilà. Tac. Et donc là, le repère, il est par ici. Par où c'est-il qu'il faut que je passe? Je sais pas. Par la droite, par la gauche. On va essayer par la droite. C'est un plus simple. Est-ce que j'ai toujours ma copine? Oui, j'ai toujours ma copine. Bah, faut que tu suives, Pupus. Hein. Maintenant que j'ai acheté un cheval, je vais pas m'en passer. Non, non, non. Il m'a coûté juste 1000 balles. Des loups. Oh, bordel. Pardon, les loups. Paf et paf. Voilà. Yeehaw! Gentils ou des méchants? Pardon, messieurs, que faites-vous là? Bonjour. Affaires impériales, circulez. T'as fait quoi? Libérer et partager les objets. Et vous connaissez de vrais enfants de bon. Voilà. Par contre, du coup, on a tué le gars ou pas? Non, il est là, il est sage, il nous attend. Que Talos vous guide. Maudits impériaux sans dieu. Ah, c'est eux qui m'ont attaqué, hein. Bon, bah, du coup, on va fouiller les cadavres. Alors, 90 quand même. 23 l'épée, bof. 18, 2. La torche, non, on va pas s'amuser. 125. Ou 6, pas moche. Le casque impérial, 35. Compte légère, un pied c'est plus 1, c'est pas mal. Les gantelets, c'est la même, ça vaut que 15, je prends pas. Vêtements, non, on va pas le dépouiller complètement. Il n'avait pas d'or, lui. Je prends quand même, ça pèse pas lourd et puis ça donne pas mal. Flèche d'acier, oui, bien sûr. Or, ouais. Nanana. Cher. Et toi aussi, hop là, voilà. En poids, je suis à 184 sur 300, je suis bien, je suis très bien. Allez, toc toc toc, ok. Ah, te plains pas, je t'ai laissé ton casque. Mon canasson, il est là. Et c'est reparti pour la chevauchée fantastique. Alors, est-ce qu'on peut passer par ici? On peut grimper. J'ai peur de ne pas pouvoir redescendre après, c'est ça le problème. Il y a du feu, il y a du monde. Je ne fais que passer. Ah ouais, non, il m'agresse. Ok, bandit. Oupa. Saloperie, putain.
Il est parti agresser le chat. Allez. Hop, il fait super mal en vérité. Oh, pardon, pardon. C'est bon. Vous me lâchez. Alors, crochet, bien. Or. Les flèches, 19. Emballé. 10, 10. Armure de fourrure. Oh, c'est que 50. Non. Arc long, 30. On s'en tape. Grenat. Oh, bien. Or. Et les flèches. Tac. Allez, pas se trouver sur mon chemin. La daille. Poireau grillé. Ah, il y a d'autres planqués à la maison. Un. Dis donc. Camp du cours dormant. Bon, on va faire un petit tour. Puisqu'on est là. Ah, et puis l'ambiance tout de suite, c'est plus la même. J'adore. Ah, les effets de lumière et tout. Putain! Un vieux piège de la merde. De merde. J'ai besoin de ce Kuma. De l'importer. Juste une dernière fois. Si j'arrivais en 10. Ah non, il m'a vu. Bien, Pupus, bien. T'as bien formé. Alors, bouclier de fer. J'ai l'impression qu'il est mieux. PS12 quand même. Clé de la mine du cours dormant. Bien. C'était lui qui avait la griffe. Armure de fer à 30. Vas-y, va te faire voir. Non, on va laisser le reste. Par contre, j'ai vu des potions, là. Potion de soin, ça c'est sûr. Potion de vigueur, ça c'est sûr. Par contre, l'hydromel... Non, on va pas se mettre à picoler. Activer un piège à ours. Et oui. Ah, j'adore les missions à l'intérieur des mines. C'est trop, trop fort. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Ouais, moi non plus. Il y a un coffre. Une hache affûtée pour trancher cette chair. Ah non, c'est qu'il y a du monde en dessous. Dépêchez-vous. Ils sont où, les gars ? On a un marchand dans la fosse dont il faudra s'occuper quand on en aura fini avec ça. Allez, hop. Oula, je sais pas ce que j'ai cramé, mais il va dedans, le gars. Quel con. Bien joué. Chef des bandits, c'est lui qui doit avoir des trucs, lui. 110, mais c'est quoi, c'est 25. Au secours. Armure de fer, hein, c'est pareil, ça c'est des fers, hein, ça pèse une tonne et ça vaut pas grand chose. On va laisser, on va plutôt fouiller le coffre. Ils ont tué un pote mammouth. Non, c'est pas nos potes les mammouths. Une trompe de mammouth. Restore 5 points de santé quand même. Non, ça va aller. On va surtout aller voir ça. Épée familiale. Ouf. Améthyste, ça je prends. Crochet, ouais. Lingot, ouais. Or, 57, ouais. Potion de vigueur, ouais. Et un collier d'argent, ouais. Juste laisser la petite épée. Potion du défenseur. Oh, voilà. Potion de force, ouais. Lire le gâteau et le diamant. Biographie. Ouais, histoire de l'Empire. Ouais, non. Je vais pas m'instruire ce soir. J'ai pas envie. Envie d'action. Ah bah attends, non, faut que j'apprenne l'épée. Ouh là, j'ai failli faire une connerie. Voilà, trouver cet objet, l'épée familiale. Mais oui, suis-je bête. On lui avait volé. Le chef des bandits, c'est fait. Par contre, lui, j'ai pas fouillé. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. La hache du braconnier. 3 points de dégâts supplémentaires aux animaux. Oh, 31, c'est une barre à merde. Hop.
je sens le piège de merde. Oh putain, je me suis pris une flèche. Idiane, c'est ma topine. Ouh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait encore un bug au niveau de l'image. Oh, le pauvre type. Un haut elfe. Ah, bah, il y avait de l'or, lui, au moins. Des bottes, des vêtements, un pauvre chapeau. On l'a déjà dépouillé. Ah, bah, c'est ça. Non, c'est juste un endroit à la con pour faire tomber les gens dedans. C'est dégueulasse. Oh! J'ai juste frôlé. Quoi, c'est elle qui m'a tapé? Lydia. Non, je ne pense pas quand même. Faut pas abuser. Attention. Donc là, il y a une corne pour un piège. Tous les coups, ça fait tomber la bonbonne sur ta gueule. Et moi, ce que je me suis pris tout à l'heure, c'est le piège et l'ours par terre. Oula, oula, il y a encore un bruit. On se casse, on se casse, on se casse. Qu'on est arrivé de là-haut, hein, c'est bien ça, donc demi-tour. Oh là, mais attends, 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 il y a du bordel ici. Hop, hop. Potion du berserker, carrément. Prendre la bourse. Hop. Prendre le vin, le vin. Et ça, c'est quoi? Bref, histoire de l'Empire. Prendre flûte. Ouh, ouf. C'est un crochet, ça. Hop. Ah, comme quoi, il faut bien fouiller. Ok, bah ça me semble bon. Arrachage. De toute façon, les pierres, elles sont déjà cassées la gueule. Je pense pas que ça... Oula, il y a eu un bug. C'est la trompe dont j'ai pas voulu tout à l'heure. C'est un pain trip. Non, c'est bon, j'avais tout fouillé. Alors, attention. Je pense pas que ça refasse quelque chose, c'est ce que je disais. Mais bon. Yes, c'était fun. Tout con, mais fun. Par contre, mon cheval, il est où pour le coup? Je sais même pas comment l'appeler ou quoi. Attends. R2 système. Commande. Creep over, furtivité, attendre. Ah! Dégoûté, il est où mon cheval du coup? Putain, il s'est barré. Non, oui. Pourquoi? On va prendre de la hauteur. Des fois qu'il serait dans les parages mais qu'il ne voit pas. Youhou! Petit cheval. Tu es où? Oh merde. C'est très très con. Bon bah on va continuer à pied. Ah oui, au fait, attends, j'ai aussi un truc quoi, pour m'accélérer moi. Dans mes objets que je me suis pas mis, dis donc, tenue. L'amulette. Mais je pense pas que ça change quoi que ce soit. Voilà. J'ai une amulette en plus. Alors, sur mon chemin. C'est par ici. J'ai l'impression que le jour est en train de se lever. Ce qui est pas plus mal. C'est vrai que pendant la nuit, ouais, on a tous les loups et tout. C'est moyen.
J'ai en vue. On se tire. On repère, par contre, il est par là. Attends, on va essayer de passer par le haut de la montagne, on verra bien. Tant que ça va bien se passer. Donc là, il devait être là, Légion. Retourne vers notre petit point. C'est tellement classe, je me prends une telle claque encore. Bordel de bordel. Attends, on va se mettre un coup la carte parce que là je vois plus grand chose. Quête. Tac tac. J'en suis où maintenant ce bordel? Je suis là, mais je bombale où moi? J'ai le tour par derrière, je sais pas si c'est une bonne idée. Allez, faites le repère tout là-bas. Ah, quoique non, il y avait déjà un truc ici. Pardon. Ça, c'est quoi ça ici? Aube étoile. Écoute, on va descendre par là. Est-ce qu'on peut grimper? Ouais. Vu, matez-moi ça. Trop bien. Bonsoir, bonsoir. Ma destination serait par là-bas. Je vois rien. C'est le truc là-bas. Je suis obligé de carrément descendre. Ben non, c'est un peu casse-gueule ici. Par là, ça sera peut-être plus intelligent. Ouais. Ok, vas-y, une petite course, un petit coup de sprint. Et par là, c'est possible par là ou pas? Oh, non, 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 c'est pas possible par là non plus. Je m'emballe. Mine, finon. Je peux rien faire? Ah, je peux pas encore. Bon, faudrait que je tape dessus, je sais pas. Attends. Oh, miséricorde. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis seule depuis si longtemps. Je croyais ne plus jamais rencontrer âme qui vive. Allez, calme-toi. Ces bandits m'ont enlevé il y a de ça des semaines. Ils m'ont enfermé dans les tours, près d'Arquebrume. J'ai réussi à crocheter la serrure et à m'échapper pendant que le garde dormait. Mais je suis totalement perdue. Pourriez-vous m'aider? Il y a une ville toute proche, dans cette direction. Avez-vous besoin d'aide pour vous y rendre? Oh, merci. Je devrais y arriver maintenant que vous m'avez indiqué le chemin. Mais ces bandits méritent d'être punis. Ils se trouvent à Arquebrume. Tenez, montrez votre carte. Leur arrestation serait un tel soulagement pour tout le monde. J'arrête pas grand monde, moi. Je te le dis. Oh là, tu me fais un petit... Une petite lévitation, là. Très impressionnant, Pépus. J'ai bien fait de t'embaucher. Pim. Bon, du coup, c'est une nouvelle quête, ça. Ah bah non, bah, en fait, je les ai déjà butés. Je m'en doutais, en plus. J'ai l'impression que par là, ça serait plus safe. On va la suivre, apparemment, elle sait où elle va. Attends-moi! À croire que c'est du harcèlement.
Vous n'avez pas peur de mettre le feu ? Pardon. Allez, une flamèche, ça y est, tout le monde s'emballe. Hein. Tout le monde est fou, ex. Ah, c'est chouette encore. Fort Dunstan. Bonjour. Je suis le passant qui passe. Il y a du monde ici ? Vous n'auriez jamais dû venir ici. Que quelqu'un fasse quelque chose. Pourquoi ? Je suis Tan. Ouvrir, force Dunstan. Pourquoi j'aurais pas dû venir d'abord ? Pourquoi donc ? Ici. Vous voilà. Calmez. Je vais vous montrer ce que c'est que de se battre. Il y a encore quelqu'un. Salut les gars. C'est bon, détente. Tout va bien se passer. Personne ne peut pas prendre d'or. Vous plaît. Eh ouais. Ça se propage. Hein. Et toi, mon pauvre petit, t'étais emprisonné. En fait. Il est mort, l'autre. Et t'étais où, toi ? Hein ? Elle est dehors, de l'or. Ouais, le reste, c'est de la mire. De l'or, 10. Hop. Tac, épée de fer, côtelette de venaison. Or, armure cloutée. Ok. Okidoki. Bon, alors attends, il doit y avoir des trucs là-dedans, ici. Du frometon, non ? T'es prêt à faire un petit méchoui ? Bah, ça va, on se laisse pas abattre dans le coin. De la bouffe. Nivre le champ de Pénival. Oh. Par contre, du coup, j'ai pris le bol. Chercher dans la commode. Tablier de forgeron. Chapeau. Non. Non, il y a juste une tiroir. Pardon. Hop. Saloperie, je t'avais pourvu, toi. Clac. Une robe bleue. Robe de fille jaune. Je vais pas me foutre ça, vous êtes malade. Alors c'est peut-être en haut. Je vais regarder quand même, parce qu'il y a rien qui bouge là. Activer le vieux. Ah ouais, on peut leur balancer en fait les bestiaux si on a envie. Ça c'est drôle. J'étais pour fouiller toi. Espadon de fer. C'est un truc qui est pas moche. Na. J'ai des na. Bon, alors on va voir là-haut si j'y suis. Ok, on est là. Pas grand-chose. Ouais, j'entends encore. Il y a du rat. C'est leurs petits animaux de compagnie, j'ai l'impression. Hein. Scratch. L'ambiance qui tue quand même. Ça, je me sens pas encore en danger pour l'instant, tout va bien. Potion de visée. Allez. Nir. La nuette commentée. Pour les enfants. Premier été frère. À nuit, pas de vie. Il n'a pas rien dans les. D'ailleurs, le temps commence. Allez, je tourne vite. Pour ceux qui veulent, il y a la pause. Je regarde bien devant. C'est une histoire pour les gamins, c'est sympa. Surtout que les histoires, je sais qu'elles sont bien, elles sont bonnes, mais puis. Hop, pas de temps. Et
à la sortir. Hop. Un autre bouquin. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu me feras toujours peur, toi. Oh, mais qu'est-ce que tu voulais me faire? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Un coffre, déverrouillé. Yes. Ça faisait longtemps. Alors, ça résiste tout de suite. On va aller tout à droite. Non, tout à gauche alors. Non plus. Ça tourne un peu. Eh ben, ça tourne carrément. De l'or, 54, emballé. C'était tout. Alors, on pouvait. J'avais vu aussi. Je sais pas si on peut y monter. Une échelle là. Somewhere. Ouais, ici. Ouais, on peut y aller en plus. On peut aller à l'échelle. Hein? Hein, quoi? Il y a du méchant? Oh oui, il y a du méchant. Oh, salut toi. Oh, joli, direct dans la tête. Alors là, je dis respect. Je suis un peu loin. Ah, c'est bon. Il y a encore du monde. Je te laisse faire, moi je suis bien en bas, je récupère des trucs. Elle doit avoir des flèches, tout logiquement. Deux chaises, non? Or, ouais. Elle dit 50, il pèse que 7. Ouf, 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 ouf. Clic. Ok, donc on grimpe parce que j'ai entendu qu'il y avait du monde là-haut aussi. Ah bah non, il est où alors? Et il y a... Ah putain. Deux petits coups. C'est bon ou pas? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner des thunes, hein, je vous le dis. Ok. La copine est descendue, mais moi je voulais voir tout en haut. S'il n'y avait pas d'autres trucs de planqué, parce que là, ça y est, une baraque. Ouvrir Fort Dustin, quartier du commandant. Ah bah oui, carrément. Oh. Utiliser laboratoire. Je ne suis pas encore bon là-dedans. Par contre, il y a quelques ça potions. De racheter la prime. De revenir en ville en étant libre. Potion d'invocateur, plus intéressant. Brève histoire. Bon. Qu'est-ce que c'était que ça? Rapport. Je crois avoir. Voilà. Alors lui, par contre, il a peut-être. Du feu ici, les plus sombres ténèbres, les gens là. J'aimerais bien qu'il ait un bouquin de sort, le coquin. La reine d'ouvre, chercher dans la commode, vêtements de mineur, bottes raffinées, la terroir. Ah, voilà qui est intéressant, profond soin, casque de fer, potion de santé, potion de soin. Résistance, ah ouais, c'est un alchimiste pur et dur, lui. Résistance au feu. Là, on a deux petites pièces d'or. La bourse, ou la vie. Eh ben, je prendrai les deux. Boucher la crème, au petit coquin. Tu te laisses pas aller toi non plus. Table basse. Attaque de hors-cœur. Le prendre à le bouquiner quand même, histoire de voir ce qu'il y a dedans. Bon, donc il n'y a rien d'autre, c'est bon. C'était intéressant au niveau des potions, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je me disais aussi, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de cum là, tu sais, pour protéger. Potion de vigueur, mais j'avais pas vu. Il était tout sombre. Quand même. Ouais, ouais.
tout ça c'est bon. Oh. Par contre, il y a une autre baraque là-bas. Allez voir ça de suite. La prison. Ah, il y a peut-être du monde là-dedans. La libérer. Wow. Voilà. Hop là, le garde. Adieu. Il est temps d'en finir. Je vous ai entendu. Et là, je te vois. Et à deux, on débat. Pardon, pupus. C'était juste une égratignure. Par contre, ouais, là, t'as mangé. Oh. Oh. J'y fais toujours autant d'effets. Oh, je dors. Or, pas mal. 57. Ils sont friqués dans le coin. Ah, j'ai rien dit. Il y avait plus de monde que ça. Hein. Ouais. Hop. Hop, tac, clac, clac, 30, c'est de la merde, les flèches par contre je prends. Normalement qu'un de ces 4, j'utilise un peu mon arc parce que je prends de la flèche, mais je peux pas les avoir à travers, hein. Ça sert à rien en fait de déverrouiller. Hop là, pourquoi tu t'as dégainé toi? Pourquoi tu t'énerves? Bon allez, on va déverrouiller le coffre un petit peu. Hop là. Par ici alors peut-être. Ça a l'air bon. Boum, augmentation, crochetage, parfait. Ouh, 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 je viens de gagner un niveau. On l'a bien entendu. Potion de soin, ouais. Emballer tout ça. Chercher dans les grands des choux, ça va être des merdes. Et ouvrir une porte en bois. Pourquoi pas. Rien du tout. Les reflets sur le sol, ils sont tripants. À mon avis, il faut pas mettre le feu. Voir si, mais il faut qu'il y ait quelqu'un de méchant en dessous. Ah bah là, je ressors. J'ai fait le tour. Mince, est-ce que j'ai vraiment tout fouillé, pour le coup? J'ai un gros doute. Personne d'autre en prison, il n'y avait que les gros rats là. Ah bah oui, je suis arrivé de là. Ok. On s'arrache. Ah ouais. C'est tout bon. Sors de là, j'ai envie de tester un truc. Il y a un par là. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Waouh. Trop top. Allumez le feu. Hein, quoi? Bon bah voilà, ça c'est fait. Et alors, bah on va être obligé de remettre un autre verre, parce que là, pour le coup, j'ai laissé quelques cadavres. Et mon putain de canassin qui s'est barré. J'ai juste payé 1000 boules, hein. J'espère que je vais le retrouver. Grise barbe, ouais. Hiver. L'académie. Du coup, je suis là.
Ah non, je suis toujours pas arrivé à Obépoil. Ben, à mon avis, ce sera le truc final de soir, parce que là, il y a du chemin encore. Hein, putain. C'est loin. Et j'ai perdu, moi, je... Je suis pas d'accord. C'est juste incroyable, cette histoire. Alors, moi, je me renseigne, savoir comment est-ce qu'on fait. Je pense que si on fait un déplacement rapide, comme tout à l'heure, j'étais sur mon choix, le cache. J'espère que ce sera le cas la prochaine fois. On verra bien. Alors, il a pas aimé que je lui crame les poils. Ah, ah, il y a du monde. C'est quoi ça? Oh, de l'araignée dégueulasse. Je ne prends ça. Sprutch. Il y a des trucs à prendre là-dedans. Venin. Ah ouais, c'est pas mal. 21, ça pèse que d'elle. La même? Ouais. Ok, c'est bon, non. Par contre, c'est vrai que j'y pense pas, mais on va essayer d'utiliser aussi ma magie. Guérison, cri, pouvoir. Permet d'invoquer le pouvoir du Hist afin de récupérer de la santé 10 fois plus rapidement. Intéressant. Guérison, redonne 10 points de santé par seconde au lanceur. Ouais. Destruction, ouais, ça c'est bon. Illusion, clairvoyance. Voilà. Clic. C'est quoi ça? C'est un truc à buter. Ah, il se bat. Ou plus l'autre. Alors, et où m'a fait gérer, bordel? Je la vois plus. Allô? Ah, c'est là. Faut que je reste appuyé ou quoi? Où je ne sais pas. Ah ouais, pas mal. Viens voir le truc. Juste que ça recharge. Ah, ah, attention, il y a du loup. Oh, ils sont trois. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre autre chose. Pardon. Magie. Destruction Derby. Et étincelle. Pof. Voilà. Oh oh. Pas moche. Alors, c'est-il que je vais arriver dans ce brosor? Donnez-moi l'endroit. Ah ah, je vois quelque chose au fond. Personne pour faire chier. Personne pour faire chier. Parfait. Laissez-moi devenir magicien. Je crois que ça va être un peu loin pour ce soir. Gentil ou ennemi? J'enlève mes pouvoirs. Venez voir ce que nous avons à vendre. Beaucoup refusent de nous adresser la parole et nous traitent de voleurs ou de contrebandiers. Je suis heureuse de voir que ce n'est pas votre cas. Bonsoir. Pas d'a priori. Les Nordiques, principalement. Ils n'aiment pas les étrangers et nous n'avons pas le droit d'entrer dans leur vie. Ils ne voient en nous que des voleurs et des vendeurs de skooma. C'est injuste, mais nous faisons de notre mieux pour les ignorants de la pitié pour ces Nordiques. Qu'est-ce que vous avez? Jetez un œil. Sur la nature et la viande d'hiver. Tiens, voyons voir. Améthyste, assiette en bois. Les crochets, phare passer, les gemmes spirituelles. Ça, les gemmes, on verra ça plus tard. Le cheval. Ah, ils ont tué mon cheval! C'est pour ça que je le trouve pas. Poupée d'enfant. Ouais. Crabe ta fille bleue. Ah non, c'est... là c'est de la merde quand même, ce que t'as à vendre.
Les potions, des tenues, des armes, des ingrédients. Bon, bah, moi, je veux de la magie. Hein. Tu m'excuseras, madame. Puisse votre route vous conduire vers les sables chauds. Quoique, attends, c'est vrai que je pourrais peut-être vendre un peu ce que j'ai en surplus. Mais oui, bien sûr. Alors, voyons voir dans les armes. Arc impérial, bah déjà j'en ai 4. Donc hop, hop, hop. Éloquence, bien, et de 2. Bâton de famille, c'est vrai que j'utilise pas. 313, je vais peut-être le garder et le tester quand même. Hein. Flèche, une roche, là, je le blancherie. Bah ouais, non, j'avais dit de garder ça. Ok. Et tenue, par contre, j'ai tout un tas de bordel. Armure impériale coûtée, ouais. 1, 2, 3. Armure impériale légère. Paf. Armure de garde de blancherie. Ouais. 25. Ouais. Putain. Alors. Ah, je passe de 6 à 7. Donc on va plutôt enlever ça. Par contre, il faudra se les équiper. Bouclier en peau de pare-foudre. Bouclier impérial léger. Casque de cuir. Ouais, casque. Casque de garde de blancherie. Ouais. C'est pareil, hop, ça dégage. Collier d'argent, on s'en fout aussi. Voilà. Bien, 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 bien. Ok. Les potions, les parchemins. Parchemins, je sais que ça coûte peu. Ça pèse que là, on va garder. De la nourriture, par contre, on bouffe, j'ai ce qu'il faut. De l'hydromel. Bon, je vais pas faire un méchoui. Wow. C'est le même prix que ça coûte. À mon avis, fange du sel, du pain. Pâte de lapin cru. Pâte de bazar. Vas-y, bazar. Et une pomme. Allez, comme ça, on parle plus. Dans les divers. Non, le reste on garde. Ok. J'espère avoir de nouveau le plaisir de faire affaire avec vous. On verra ça. Donc là, je suis arrivé en fait. Voilà, au Bépoil. Les Grises Barbes ont demandé à l'enfant des dragons de venir les voir au Haut-Rodgar. Je suis au courant. Cela n'était pas arrivé depuis plusieurs siècles. La classe, hein. Jolie chaumière en tout cas. Oui. Du coup, j'arrive pas à lire. Stop, arrête-toi. Bon, bah, tant pis. Auberge, mon vent. Bonjour. Qu'est-ce que je fais? J'y vais maintenant à l'auberge ou alors je reviendrai? De toute façon, j'ai découvert l'endroit. Qu'est-ce que je fais? J'essaye de filer jusqu'à. Ouais, mais ça va me prendre du temps. On va plutôt se balader. On va profiter de l'endroit. Ça me semble un peu haut, je vais me péter une patte. Il y a quelqu'un qui fait de la forge ici. Qu'est-ce que ça peut signifier? Le retour de l'enfant de dragon? Et qui parmi nous pourrait avoir l'honneur de pouvoir confier un tel pouvoir? Allez, on va se baquer un peu après tout. Je peux me baquer indéfiniment. Attention aux crabes quand même. N'oublions pas les crabes. C'est tellement chouette. On est dans un fjord. Le drakkar, là. Qui est génial. Ça, c'est fait une aussi pour nager. Vous avez juste besoin de regarder un petit peu, vous vous orientez. Et hop, là, je lève la tête. Pas besoin de toucher à la manette. Pète la classe. Ouvrir la panacée. Ben, tout ça, on fouillera, hein. On fouillera. Mais quand j'aurai une certaine renommée. Donc on va marcher jusqu'à. Pardon. Tuk tuk tuk. Jusqu'à Fort d'Hiver. Par contre, je peux pas mettre. Ah, pardon, d'accord. Donc là, je peux en mettre un, mais je peux pas en mettre là-dessus. Ok.
Est-ce que vous pouvez pas m'y emmener en bateau, remarque ? Moyennant une petite somme d'argent, of course. On va voir ça, si ça se trouve. Par les dieux, c'est vrai, n'est-ce pas ? Un dragon a attaqué l'angerie. Je n'aime pas recevoir mes ordres d'un jeune garçon, mais j'ai besoin d'or. Tout le monde... Le capitaine est forcément quelqu'un de sévère ? Je ne suis pas de cet avis. Je veux que mes matelots aiment leur travail. Par héritage, comme disent mes hommes. Je ne peux pas leur en vouloir. Ma mère tenait la barre du bourrasque aussi fermement que sa maison. J'ai essayé de trouver de nouveaux filons, de gagner le respect des marins. Mais je n'ai que des soucis. Prenez notre dernier chargement. Des sels fins du néant venus de l'académie de Fort d'Hiver. Un beau pactole quand on sait à qui les vendre. Qu'est-il arrivé? Les marins, voilà le problème. Ils ont trop bu et ont fini par perdre la cargaison dans une grotte. Oh, c'est pas bien. Si un peu d'exploration ne vous fait pas peur, je vous offrirai une bonne récompense pour ces selles. Bon, très bien. Et ben voilà. Nouvelle mission. Mais par contre, il veut pas m'emmener à Fort d'Hiver. La Titanic. Ce serait où ça? C'est étudier tout, mais ça me fait revenir en arrière, vous êtes mignons. Non. Ok, alors apparemment, en passant par là. J'ai hérité du bateau à la mort de ma mère. Ça fait tout bizarre. Je vous assure. Allez, grimpe pas. Je suis toujours sur le bon chemin. Wesh. Profitez du décor. Je peux par ici, je peux. Oui, je peux. Allez, grimpe. Fort d'Hiver, ça serait tout là-bas. J'irai presque plus vite en nageant, je te jure. Même pas froid. Oui, qu'on pourrait se le dire. Quoi, il est peinard. Encore moi, j'ai trop bien fait, franchement, de prendre la possibilité d'aller sous l'eau indéfiniment. C'est juste un trip, je suis obligé de cligner des yeux à chaque fois que je passe dans les algues. Exploration sous-marine. Je pense que ça ne sert à rien de ces quatre. Hein. C'est obligatoire. Hop, et l'autre il va sauter en l'air. La vache. J'ai été trop surpris, putain. Énorme. C'est quoi ça? C'est un pauvre lamentable. C'est pas dangereux. Oula, il s'est retourné vers moi. Un orqueur, ouais. Ouh, c'est costaud ça. Recharge, parce qu'il est pas tout seul. Aussi pourquoi il y a une flèche dans la gueule, c'est ma turbine. Une herbe épineuse, ouais, je crois. Chercher au cœur. 15 et 3. Ouais, on va dire. On fait du commerce d'ivoire.
La vie de Réchon s'en tamponne. Et donc, du coup, je suis un peu paumé. C'est par là. Oui. Il y aurait bien un petit passage par ici. Je vais dire on a pied. Non, pas partout. Oh, il y a du loulou. Progression. On progresse, on avance. Oh, punaise, on se les pèle. Je vous jure, ça me fait un effet bœuf. Alors, pour se mettre dans l'ambiance, j'ai ouvert toutes les fenêtres et j'ai coupé les radiateurs. Non, je déconne. On s'emmerde jamais dans le jeu. Oui, un hôtel. Allons prier. Non. Activer hôtel de Talos. Putain, c'est quoi? Espadon d'acier. Prendre le bouclier à bande. Putain, il fait mal. Plutôt chouette. Parents et philosophes. On va laisser. Par contre, j'ai pillé un hôtel. Je sais pas si c'est bien. Normalement, non. Le temps se dégrade, là. Hein. C'est pas le top du top. Allez. Oh, pardon, Pupus. Ah, je t'ai vu encore qu'au dernier moment. Il y avait un pauvre gars. Vigile. Le marteau d'acier, il vaut quoi? 110, quand même. Je suis à 171. Ouais, on va l'emballer. Petite note. On va prendre la petite note. On sait jamais. L'armure de fourrure, bah, je crois que t'en auras plus besoin. Allez. Ok. Ensuite, c'est par où ça se passe? On passe par en bas et on remonte après. Alors je me fourvoie carrément, fallait carrément grimper. Tellement chouette. Je suis sur le cul. Ah ouais, non, ça va aller. Eux. Ils donnent pas grand chose, ils sont costauds à buter. On va se manier d'arriver à bon port. Peut-être en passant par là d'ailleurs, parce que ils ont l'air de vouloir foncer vers moi. Les petits cons. Je suis frigorifié dans la ligne de regard. Et hop, le petit lapin. C'est un gros lapin, celui-là. C'est un très gros lapin. Putain. C'est peut-être en haut de la montagne. Bon, attends. Carte. Tchuk, tchuk, tchuk. Eh ouais, à tous les coups. Quoique... Si, ouais, à tous les coups, faut que je fasse le tour. Je passe par derrière. Sans aucune mauvaise intention. Ok, on va tenter ça. Parce que là, c'est trop abrupt. Par contre, là, il va y avoir comme un petit passage. Encore du loup. Le temps s'améliore, dis donc. Cool! Un petit peu de soleil. Ah, ça réchauffe. C'est parfait. Enfin, je sais pas, vous qui faites de la VR, je parle connaisseur. Si ça vous fait ce genre d'effet-là. Mais moi, j'ai presque l'impression que mon corps se régule en température en fonction du climat. C'est vraiment une impression bien space. Et véridique. Eh ben, je crois qu'on y arrive, ma poule. Ouais, ça y est. Fort d'hiver, nouvelle découverte. Yabadabadou. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je
rejoignent la. Je suis pas armé du tout. Et Deadpool, attention. Ne pars pas. Où vas-tu comme ça? Eh ben, fort d'hiver, vu qu'on est arrivé, ben ça se fera demain soir. Et après, tu crois que ça. Eh ben, c'était encore cool. C'était encore bien, bien cool, cette petite soirée. Ouf. Mais on va s'arrêter maintenant, il est assez tard. Et je me suis déjà bien assez éclaté. Allez, tchuss, mes loulous, à demain.